Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo d'opening cette fois, non pas 5 étoiles, mais on retrouve avec notre fameux opening de 4 étoiles. Vous pouvez voir que j'ai pas eu beaucoup de temps de le faire parce que j'ai pu pas mal stocker. Mais comme à notre habitude, nous allons en ouvrir 5, voir si nous avons monté de nouveaux persos en compétences max, ou si du coup, on va justement juste les doubler pour du coup gagner le double des classes 5 étoiles. À mon avis, je me rapproche énormément des. On fera le bilan. On fera le bilan un peu des nombres de persos que j'ai au maximum. En 2 secondes, je peux vous donner la réponse. Donc, on fera ça. Il me reste plus beaucoup en tout cas. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et donc du coup, on va commencer avec un Venom Pool. Est-ce qu'il est au max celui-là? Ah, peut-être, 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 ou peut-être pas. L'un ou l'autre. S'il était bien au max. Évidemment, non. Derrière, est-ce qu'on va retomber encore sur un perso max? Est-ce qu'on va encore avoir un nouveau? Je sais même pas s'il me manque des nouveaux dans les 4 étoiles. Je sais même pas. Bah si, bah tiens, comme ça au moins. Moi, je pose la question. Un nouveau! Bah écoutez, ok, d'accord, hein, un nouveau. Ok. Ah, du coup, ok, bon, ok, ça se prend. Du coup, est-ce que je vais en avoir encore un nouveau? Donc lui, non, il est déjà au max, si je ne me trompe pas. Donc du coup ça fait encore des écarts en plus. C'est bien, plus j'ai d'éclats, plus je me rapproche du coup de l'opening 5 étoiles. Donc c'est parfait. Derrière 4ème cristal. Captain America Infinity War. Non. World War 2. Que je ne confonds pas. Qui est au max évidemment. Et du coup le dernier. Donc c'est vraiment un tirage, vraiment pour le coup. C'est vraiment un tirage pour stocker des éclats 5 étoiles. Vraiment, c'est vraiment que ça. Et du coup, je vais avoir Loki qui est au max. Qui est au max, c'est sûr, hein, c'est sûr. À 1000%. Donc voilà, bah écoutez, on a eu un nouveau, malgré tout, et des éclats en plus. Donc on s'approche tout doucement du 5 étoiles. C'est très bien. Parfait, parfait, parfait. Du coup, je vais vous montrer à peu près le nombre de persos que j'ai en 5 étoiles, 4 étoiles max. Pour ça, il y a une façon très simple de le voir. Alors, du coup. Donc j'ai mes réserves. Hein. En fait, on clique ici, utilise objet. Donc du coup, j'en ai 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32. Donc j'ai les 32 qui sont encore à maxer. Et du coup, si on regarde là-dessus, on va voir comment j'ai ça. Comment j'ai 4 étoiles. C'est pas là, où est-ce qu'on peut voir ça? Voilà, c'est là. Et du coup, j'en ai 130. Donc ça veut dire que j'ai 98 4 étoiles au max. Au max. Donc, ce qui est, en gros, j'en ai 100. Voilà. Grosso modo, j'en ai 100. Donc j'en ai 100, donc c'est-à-dire qu'il ne me reste plus que 30 à monter. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. En 3 étoiles, je vais être à peu près pareil. Je dois avoir aussi 100, à mon avis. Quelque chose comme ça. Mais voilà, donc du coup, ouais, du coup, je suis assez content. Je suis assez content parce que au final, bah, c'est pas mal. Du coup, c'est-à-dire que le jour où j'en aurai tous, où ils seront tous full, et bah, du coup, ce sera une pluie de cristaux, 5 étoiles, une pluie de cristaux. C'est-à-dire que à chaque 5 étoiles, à chaque 5 cristaux que j'ouvrirai, je gagnerai un peu plus d'un quart d'un futur 5 étoiles. C'est super. C'est super. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pour le coup, je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire si vous chopez aussi des nouveaux persos sur les 4 étoiles et savoir aussi si également vous avez, bah comme moi, pas mal de 5 et 4 étoiles qui sont au max. Alors forcément qui sont plus intéressants que d'autres en fonction du niveau de certains, hein, évidemment. Si vous ne savez pas trop qui éveiller ou qui monter, n'hésitez pas à demander. Avec plaisir, j'essaierai de vous aider au mieux que possible. Sur ce, sinon, je vous conseille comme d'habitude d'économiser vos pierres et de les mettre vraiment sur des persos qui vous intéressent, à qui vous aimez jouer, surtout, et après des persos qui sont bons, qui ont un bon prestige, même en 4 étoiles pour ceux qui débutent, c'est toujours intéressant, parce que les pierres au final, bah, si on veut monter tous les persos qu'on aimerait, on peut pas. C'est pas compliqué, à moins de mettre de l'argent dans le jeu, c'est compliqué, ou du coup ça vous allez prendre beaucoup beaucoup de temps, donc je vous conseille vraiment de mettre des pierres scrupuleusement, faire bien attention. Ne mettez pas des pierres pour avoir un champion à 86 de compétences, ou 89, ou 88, etc. etc. Essayez toujours d'être arrondi, de mettre toujours par 20,
Parce que le jour où vous chopez comme ça, au moins vous perdez pas 6 pierres, 8 pierres que vous avez mis à 86, 89. Honnêtement, à 6 de différence, il n'y a pas une grosse différence. Donc attendez, stockez bien à 20. Faites comme moi, vous pouvez voir, hein, comme... vous pouvez voir, hein, moi tout est à 20. Enfin, tout est en stock. Voilà. Parce que par exemple, je vous montre celui-là, hein, c'est un exemple. Voilà. Donc moi, je ne les mets pas parce que je suis à 60, si vous voulez. Donc je garde ces pierres-là pour avoir soit 40 pierres, soit... soit je le double et puis après il en faut plus de 20 et hop, comme ça je perds aucune pierre. Et honnêtement, ça changera pas le gameplay qu'il soit entre 20 ou 80. Il n'y aura pas une très grosse différence maintenant dans le jeu, surtout en 4 étoiles. Donc voilà. Donc, je vous conseille de faire ça si vous voulez vraiment maximiser au mieux vos pierres. Vraiment, voilà. C'est un petit conseil que je vous donne. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes bon courage, bon rank up, bon tirage aussi, bon gameplay, enfin plein de bonnes choses. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'opening, de tirage et l'autre. Voilà, bonne soirée à toutes, ciao.